Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Bella, tu vas peut-être devoir. Non. Ça devrait le faire. On va essayer de cohabiter. Voilà. Tu ne poses pas tes fesses là-dessus, s'il te plaît. Merci. Bonjour, 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 bonjour. Coucou Serrette, coucou Mélo, merci pour le lurk. Coucou Kalina. Dites-moi si la musique est trop forte. Ou pas assez, comme d'hab. Voilà. Vous êtes mes oreilles et mes yeux. Bon, point météo. On est toujours sûr de la pluie. Juste pour ça? Merci. Ah, ça y est, c'est le bébé de Twitch. Ça fait 9 mois. Ça y est. On a un petit Liam, une petite Jade. Voilà. Bonsoir, Madame Taz. Comment vas-tu faire pour tes nuances chier du coup? Parce que... il est sorti, ouais. J'ai pas senti. J'ai pas... Pourtant, j'ai pas eu la péri, j'ai pas eu de douleur. Ta gueule. Ah, t'es pas en lurk? Bah, c'est le l'émote du lurker, c'est pour ça. Bisous, bisous. Coucou Gaël. Je pense qu'il sera toujours en live. Du coup, j'ai pas remis la musique. Quand je vais partir, je le raiderai, Gaël. On a de la chance. Mélo, elle va être contente. Si ça part à un moment. Putain, mais je galère. Ah non, on va se taper une pub. Non. Et j'ai YouTube, il rame alors à mort. Allez, gars. Bah moi aussi, ce matin. Le doudou de Jade, je l'ai récupéré. Oui. Ouais. J'ai récupéré, j'ai pas demandé quoi que ce soit, j'ai vu que c'était dans le sac, j'ai pris mes affaires, je suis partie, j'étais là. Akira, normalement jusque 16h. Je pars à 16h, zut. Zut. Tant pis. Je suis désespérance, hein, depuis qu'il n'y a plus Kili, voilà quoi. J'ai personne avant, j'ai personne après. J'ai pas trouvé d'émote saucisse. C'était Shy Boy qui en avait une. Et là, il m'avait dit qu'il avait perdu, mais j'ai pas d'émote saucisse. Et il faudra faire une copulation pour essayer de changer la varicelle, là. Mais en espérant qu'on ait une bonne pioche. Hier soir, j'ai juste fait ça. Voilà. Mais il va falloir que je rajoute un peu de verre pour faire un petit peu d'effet moisissure ou... Non, effet mousse, c'est plus ça. Pardon, voilà. Attention, le violet, est-ce qu'il va devenir violet? Violet? Ouais, on a encore la varicelle. Mais on a du violet, on est contente, on a du violet. Vu comme c'est parti, il va peut-être faire un rab du rabichat. Ok. Ok, Magayoul. Ça va, il n'est pas si pire. Hein? Le pire, on l'a vu, c'était chez Mélo. Du coup, Taz, elle m'a pas répondu pour ces nuances chi. Parce que même si tu mets du lourd dessus, c'est mort. Ça se dépliera pas. Tu surveillais pas comment ça s'est passé? Il a changé de bouche. C'est déjà pas mal parce que là, le pare-buf de 4x4, c'était pas ouf. Comme d'hab. Coucou, coucou Sourkni. Elle t'a répondu, t'as pas lu. Non, ah, ça, c'est souvent moi, ça. Je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. Ah. Ok. Ça va. J'étais devant, j'attendais sa sortie, il est jamais sorti. Voilà.
Moi, je l'accompagne. Je le tiens. Tant que tout n'est pas passé, je tiens, j'accompagne. Voilà, je vais jusqu'au bout des choses avec Kewa. Bon, on va mettre un peu de vert, un peu de. Quoi avec les albrèches. De prévu pour vous aujourd'hui. Du coup, vous êtes un poil plus haut, vous êtes plus haut que d'habitude. Voilà, j'ai reçu mon trépied. Et j'ai essayé de faire les zooms, machin. Ma caméra ne veut pas. Pourtant, il a la varicelle, ton dragon. Ouais, il a gardé sa varicelle. Soi-disant, on me dit c'est des étoiles. Non. On a dit que c'était quoi? Attends, je sais plus. Je sais plus ce que c'est déjà. Avec cinq côtés. Je sais plus. Tu as téléchargé le logiciel? Mais oui. Oui, il me dit que le logiciel est à jour. Mais j'ai beau faire essayer de faire les zooms, machin, même avec mon truc là, propriété, ça ne veut pas. Pentagone. Il veut bien me mettre plus de blanc, de machin. Mais là, si je fais zoom. La barre bouge. Mais vous voyez rien de changé. Regarde, là je suis au max du zoom. Ça n'a rien changé, on est d'accord. Voilà l'arnaque. Voilà, là je suis censée être à 500. Voilà. C'est pas juste. Un pentagone, ok. Pentagone, 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 pentagone. J'ai oublié ça. Est-ce que c'est celui-là? Je pense que c'est celui-là. Du coup, ce matin, j'ai jeté les enfants à l'école. Puis après, je suis directement allée à Action. Mais c'est une fois dans la voiture, je me fais mince. J'ai pas mon téléphone. J'ai pas pris la carte de douche. Oh, c'est moi qui vais. J'ai été voir un peu à Auchan pour les gâteaux. Il n'y a pas de gâteau jurassique, mais il y a un gâteau double étage Marvel. Je vais voir avec Liam si ça peut le faire. Le doudou, c'est quoi? Qui s'est passé alors? Alors, le doudou. C'était mardi soir, je récupère Jade. J'avais rendez-vous avec le maître en plus. Et là, tous les parents récupèrent les enfants. Moi, je récupère ma. Enfin, je reste avec Jade dans la salle de classe et je regarde dans son sac où il est censé savoir son doudou et sa tutute. Ouais, ça va. Je sens encore. Je sens encore que ça. Voilà, j'ai pas récupéré toute la mobilité, mais ça va. La musique trop forte, ok. J'ai dû l'écouter hier soir, à mon avis, et voilà. Moi, je l'écoute plus fort que. Là, c'est bon pour vous. Et du coup, le doudou, quand j'ai regardé dans le sac, il n'y avait pas de doudou et il n'y avait pas de tutut. J'ai regardé dans son deuxième sac, là où je mets le goûter, l'échange, tout ça. Pas de doudou tutut non plus. Et là, je vois, je demande à la TSEM, Adeline, j'ai pas de doudou, j'ai pas de tutut. Je fais, il y a un problème. Je suis pas bien. Je commence déjà à avoir des suées. J'ai été voir avec Jade, du coup, dans la salle de sieste. Voir dans son lit s'il était pas resté ou quoi. Pas de doudou. Donc, puis là, Adeline, elle me dit, ah bah, c'est Fadila, elle a dû le mettre dans le mauvais sac. Ouais. Encore? Bonjour, bonjour. Hein. Entrez, installez-vous confortablement. Faites-vous un petit café. Oui, je baisse la musique. Moi, je vais bientôt plus rien entendre là, mais. C'est toujours trop fort ou.
Encore? Parce que j'ai quand même pas mal baissé là, hein. Pourtant, le micro, il est. Bah, je suis limite à saturation. Encore? Putain, c'est ouf. Mais je suis sourde en fait. Quand j'écoute la musique. Mais je vous dis, là, sur la barre YouTube, je suis au tout début de la barre là. Là, il n'y a plus. C'est chaud. T'entends pas de différence? Moi, j'ai quasiment plus rien dans mon casque. C'est good? Ou sinon, faut que je baisse le dos du bureau ou je baisse quoi? C'est peut-être là qu'il fallait que je baisse. Donc oui, Fadil, elle s'est trompée de sac et je sais pas dans quel sac elle l'a mis. Bilan, on a fait la nuit de mardi et de mercredi, plus les siestes. Bah toi, monte ton son du bureau pour toi. Mais non, mais le son du bureau. Je suis à combien? Je suis à 54. Là, ça vous a augmenté quelque chose à vous? Je me suis mis à 100. J'ai pas encore tout compris ça. Si quand je monte dans mes oreilles, est-ce que ça monte le vôtre? Ça, j'ai pas compris. Non, c'est bon. Bah si t'es un parent et que tu trouves un doudou qui n'est pas à toi, tu le rapportes. Bah écoute, j'ai rien vu sur le NT. Donc il y en a, ils doivent pas ouvrir les sacs, je pense. Audio du bureau, ton oreille. OBS dans nos oreilles. Ouais, bah j'ai pas touché à OBS là. J'ai juste touché le son du tube musique. Pour tes oreilles, tu montes ton bureau. Si tu veux baisser, nous, tu baisses l'appli utilisée. D'accord. J'ai toujours pas compris. La dame, il faut lui expliquer longtemps maintenant. Longtemps et souvent parce qu'elle oublie. Abandonne, oui, vaut mieux. Je suis pas ouverte. J'espère que ça, vous l'entendez bien. Coucou, Calderon. Il y a un moment, j'avais des flûtes à la maison, mais je crois que Doudou a dû tout filer à Emmaüs, je pense. J'aurais dû en garder une. Faire des tests, je sais pas. On n'entend plus que ça. Bon, c'est cool. Ouf. Ah, vous avez souffert avec moi. Merci, Mélo. Arrête de spammer, là. Laisse-la faire son arrow, tu parles. Ouais. Elle est ravie, je crois, Calderon. Elle s'est posé la question. Je fais quoi? Je dis bonjour ou je me barre? Hein, ouais, faites gaffe. Hein. Elle a l'épée, la dame. Du coup, tu tues des doudous. Et bah, elle a pleuré après. Bah, dès qu'on est arrivé dans la voiture, parce que bah, d'habitude, elle a son doudou et sa tutute. Et à la maison, bah, elle a été directement dans le tiroir à tutut, hein, parce qu'on en a de rechange. Voilà. Donc elle a été directement chercher tutut de rechange. Par contre, doudou, bah. Elle n'a pas le doudou qu'on avait prévu pour elle, en fait, à la naissance. À la naissance, j'avais voulu faire comme Liam. Liam, je lui avais acheté des doudous sur AliExpress. J'en avais acheté deux pour commencer, il me semble, deux ou trois. Parce que je voulais en mettre un chez mamie, un chez nounou et un à la maison. Chose qui a très bien marché pour lui. J'ai voulu faire pareil avec Jade. Je me suis dit, je vais acheter les mêmes doudous, sauf en version féminin, tu vois, avec le tutu. Mais elle n'en a pas voulu. Elle en a papa. Il lui en avait acheté un autre aussi. Elle l'a pas pris, alors qu'on a essayé d'en trouver un autre sur Vinted pour avoir un doublon. Elle n'en a pas pris.
Papy mamie lui en a acheté un aussi à la naissance, elle l'a pas pris. Bref, j'avais acheté des coussins lumineux sur Ali. C'est une étoile, ouais, ça s'allume. Et ben elle a pris ça comme doudou. Bilan, bah là, on a enlevé la pile, on a enlevé tout ce qu'il y avait à l'intérieur, hein, parce que là, faut que ça passe à la machine. Hein. Donc elle a ça comme doudou. Je me suis dit, je vais en commander une autre pour essayer de voir, pour pouvoir faire la tournante et tout. Bah que dalle. J'ai essayé de lui donner là. Parce que l'autre, elle restait dans son lit quand même. Voilà, je voulais que. Elle s'acclimate avec quand même, au cas où. Mais non. Là, ça marchait pas. Elle serait pas un peu chiante, aussi chiante que ça? Mais oui, bien sûr. Tout à fait. Mais bon, Doudou, c'est vrai que c'est quand même particulier. Je sais que moi, j'ai toujours un Doudou, donc. Ton frère est Doudou aussi, lui, hein. La tutute, il a eu du mal à la lâcher. Il a lâché à quel âge, sa tutute? Je crois qu'il avait 5 ans, peut-être? Non. Dernière année de maternelle, je crois. On va essayer d'accorréler ça un peu, faire un effet mousse. Bref, on n'a pas dormi, pas rien dormi pendant deux nuits, quoi. Puis bon, les siestes de l'après-midi. À 5 ans de printemps, mon doudou de bébé est dans le tiroir de ma table de chevet. Non, moi j'ai plus le doudou que j'avais quand j'étais petite, mais j'ai une peluche, voilà. J'en ai deux aussi pour pouvoir faire la tournante, mais bon, il y en a un qui est dans le lit de Jade. Mais non, non, j'ai un doudou. C'est ma belle-mère qui me l'a acheté en plus. J'ai pas réussi à piquer celui de Lily. J'aurais pu en ramener un de Strasbourg, mais non. J'ai pas réussi. Mon cousin ne sait pas le bonheur qu'il a eu avec ses fils. Les doudous et ses fils, c'était des mouchoirs. Oh, oui, il y en a, c'est des couvertures, des trucs. Déjà rien que moi, là, son coussin, il est quand même gros, quoi. Tu as tous les autres avec leurs petits lapins. Mais bon, il y en a à l'école, ils en ont, mais ils sont dégueulasses. Je vois Léopold, là, son chéri, jamais il veut le laver et tout. Oh là là, le truc. Oh. Ah ouais, moi, bah, comparé, bah, on le voit bien. Et normalement, il était rose tout doux. Là, il est pelucheux, il est limite gris. Et l'autre, qu'elle a quasiment pas utilisé, bah, on le voit bien, il est tout doux, il est bien rose. Mais elle veut pas. Du coup, hier, je l'avais quand même mis dans le sac au cas où qu'elle ne retrouve pas son doudou, histoire de. Mais on n'a rien à carrer dessus, là. Et jamais aucun problème pour l'échanger. Ah bah, allez, tu m'étonnes. À plus, Serette. J'espère que les nouvelles vont être très, très bonnes. Mirage. Qu'est-ce que ça va donner? Vous voyez pas trop, de toute façon. Puis là, c'est Liam qui a laissé son écharpe à l'école. Hier soir, il arrive vers moi, il me fait, attends, je vais à la garderie, je vais chercher mon écharpe. J'attends 5 minutes, 10 minutes, toujours personne. Je me fais, qu'est-ce qu'il fait? Coucou, une petite ange. J'y vais, il est en train de chouiner. Je trouve pas. Je trouve pas mon écharpe. Bah, t'as qu'à faire attention à tes affaires. Bilan, bah, je l'ai encore racheté une aujourd'hui. J'en ai même acheté deux, tiens. J'en ai pris une à Action, puis j'en ai pris une autre à Auchan. Vu que je sais plus ce que je fais. Bref. Il a pas intérêt à me dire, ah, j'ai plus d'écharpe. Hein. C'est bon, hein. Ça va 5 minutes. Comment ça va, une petite ange? Oui, doudou, c'est important pour les petits. Hein. Mais il a fallu que ça me tombe sur moi, quoi.
J'étais puis en plein dans un jour. Enfin voilà, faut que ça tombe un mardi soir, quoi. Il n'y a pas école le lendemain. Oh, j'étais là, non. Je ne compte plus les bonnets, écharpes et gants que j'ai dû racheter quand ils étaient petits. Oh. Je mange un petit truc et je vais faire la sieste. Enfin, week-end. Ah. Profite, profite. Oh, ce matin, je voulais pas me lever. J'ai fait un rêve chelou. Il y avait un psychopathe qui nous suivait partout. Je sais pas quoi, il voulait nous tuer, moi et mon homme. Je fais des rêves chelous. Attends, j'ai pas regardé de thriller ou quoi que ce soit. J'ai même pas regardé de Faites entrer l'accusé cette semaine. Hein. Donc c'est pas ça. Hein. Là, j'ai commencé la série Bodies. C'est Red qui me l'a conseillé. J'ai pas encore fini le premier épisode, mais c'est déjà chelou. Somebody. Look at me. Ça va. Insomnie, j'ai dû dormir une heure. Oh là là. Non, ça va. Là, hier soir, j'ai lu un petit peu avant le dodo. Du coup, j'ai réussi à m'endormir quand même assez bien. C'est l'endormissement qui est compliqué. Du coup, on continue le renard ce soir chez Caldehorn, c'est ça? Oui. Je fais le dodo de qui ce soir? Jade. Je promets pas date à l'heure. Hein. Je rhume Amazon. T'as commandé quoi? Du coup, c'était colis privé en fait. Puis c'est la petite dame que j'aime bien. Mais j'ai pas entendu vibrer mon téléphone. Du coup, bah, elle l'a mis dans la boîte aux lettres. Pauvre dame, elle est viagée, mais non, elle est... continue à travailler. Triste France. En écrivant avec le bon... Ah. À chaque fois. En même temps, quelle idée d'avoir autant de PC, hein? Il y a un moment, faut choisir, hein? J'aimerais bien avoir un deuxième écran quand même, mais j'ai pas la place. J'ai pas la place. J'ai déjà en galère là. Vous m'auriez vu à quatre pattes là pour mettre mon trépied hier? Oh non, les pubs! Non! C'est quoi ça? Je suis pas d'accord. Pourtant, il y a Adblock. Ah, YouTube, hein, ça s'en met plein les fouilles. Hein. Je dois m'inquiéter ou pas? Le livreur Amazon a arraché l'étiquette de mon adresse et il me manque. Oh putain, non. T'as commandé quoi? Oh, fait chier. Ah, mais maintenant, c'est... Là, ça va être les fêtes, alors... Tu peux être sûr que ça va fouiller, hein. Dès
Des tiges pour mes fleurs et des labellos. Les labellos, il te manque. Bah, ça te met quoi sur Amazon? Ça te met livré ou en cours de livraison? Lol, t'imagines le gars, il vole des labellos, quoi. C'est ouf. Bon, tu me diras, mon magasin, les gens, ils piquent tout et n'importe quoi. Hein. Les graines de radis et l'eau de Javel. Oh mon Dieu! Deuxième bébé aujourd'hui, punaise. Deuxième bébé Twitch aujourd'hui. En cours de livraison alors qu'il était livré. Je sais que ce matin va être une pure soirée. Tout le monde fait oh et oh, oh et oh et oh. J'ai une licorne? T'as une licorne? Merci pour le resub. Attends, j'ai le truc qui se met devant, du coup, je peux pas cliquer sur la licorne. Mais elle vient d'où ta licorne? Je peux pas, ça marche pas. Par contre, il faut que je remette la musique, ça serait bien. DJ, hein? Voilà. C'est pas la même ambiance, par contre. Je peux pas. T'as eu la licorne parce que t'as. Attends, je sais même pas, ça se trouve, c'est moi qui ai mis en émote, mais je sais plus ce que j'ai mis. Tu vois pas le beats licorne? Si. Oui, je vois. Ça y est. J'ai du mal avec mon chat, moi. En cours de livraison alors qu'il était livré au prochain arrêt. Ouais, ça craint. Bon, t'appelles le Amazon, hein. 9 mois. Deuxième bébé aujourd'hui. Ça y dit donc, j'aurais accouché, hein. Mais toujours pas de douleur, hein. C'est bien les accouchements Twitch. T'as pas de frais de garderie, de nounou, c'est super. Voilà, oh là, les bébés Twitch, c'est bien. Va pas me facturer les 150 boules de la péri. Ça passe tout seul. Bah, on va espérer qu'un autre camion livre le reste de ta commande. C'est clair? Bah sinon, tu appelleras Amazon et puis tu leur expliqueras ce que tu as vu. Hein. Puis c'est tout. Hein. Ils sauront qui c'est. Hein. Parce qu'ils savent qui c'est qui a livré celui-là. Tu connais pas la Péri? Bah, le premier, oui. Le premier, j'ai eu Péri. Le deuxième, j'ai pas eu le temps. Monsieur, si. Enfin, tu me diras la deuxième, non, j'ai pas eu la péri. Pour l'accouchement, je l'ai eu après. Surprise. On va vous faire une péri, madame. On va aller chercher les membranes. Merci. Moi aussi, j'attends une livraison. Un livre très ancien que j'ai eu en occasion. J'espère qu'il sera bien. Et un truc beaucoup mieux. Ah! Moi, j'attends le Wallflower, je sais pas quand, mais il devrait arriver. Voilà. Le Wallflower, dès que je le reçois, je colle dedans. Rien à foutre. Je me baptise, lui. C'est pas du colo, d'accord. Ce matin, j'étais à Action, j'ai rien acheté de colo. Hein. J'ai même pas trouvé les. Dégoûté, là, les sets de washi, là. Je voulais les violets et tout. Y a rien. Le rayon. Oh là 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 là, désespérance. Il y avait quelques trucs de maquette là de. Mais j'ai pas trouvé ça ouf. HP3. Non, le Wallflower, j'espère qu'il va arriver en bon état aussi. Et que j'aurai pas de frais de douane. C'est demain matin, Action. Il faut que j'y retourne la semaine prochaine.
chercher après un ballon en forme de 7. Ah, j'ai fouillé tout, j'ai tout retourné le rayon, mais pas de 7. Ou un 7 en forme d'animal bébé, là. Je peux pas. Le livre, c'est un recueil de nouvelles de manga de Rumiko Takahashi. D'accord. Je connais pas, monsieur. I don't know why. I want to try. On va remettre un petit peu quand même dans le. Il n'y a pas de raison. Voilà. J'ai une tour de médicaments. Je vous raconte pas. Ça se. Voilà. Est-ce qu'il faut que je passe mes piluliers? One the end. Oh, quel talent. Du coup, j'ai pas regardé la quotidienne depuis un moment, là, Starak. Je sais pas ce qui c'est. Je pense que ça y est, j'ai déjà lâché. Je pense que j'ai déjà lâché l'affaire. Je vais peut-être regarder le Prime samedi. La dame qui a créé Ranma 1,5. Ça me dit quelque chose, mais je regardais pas. Alors, je suis en train de finir ma première page. Là, me restait la deuxième page, puis plus qu'à découper, mais bordel, j'ai fait quoi? Ben, la première feuille, je l'ai mise sur la deuxième. Arrête, t'as besoin d'une pause, Taz. Arrête. Arrête, t'es nu en chier. Colo, fais quelque chose d'autre. Tu finiras plus tard. Arrête. Plus tu vas essayer, plus tu vas t'acharner, plus tu vas faire des conneries. C'était un dessin animé que tu devais regarder quand tu étais. Lâche, lâche, lâche. Hier soir, je chantais, je dansais avec ma fille. Lâche, lâche, lâche. J'étais la moulinette. C'est qui? Oh, bah, faut bien les occuper le temps que Doudou prenne sa douche. Hein, écoute. Du coup, bah, c'est lâche synchro. D'ailleurs, on va passer la chuche synchro parce que voilà. Elle doit être dans une de mes playlists, mais le temps qu'elle arrive, si YouTube voudra bien me la passer, parce que hein, j'ai l'impression qu'il me passe toujours les mêmes trucs. Allez, encore une petite pub, on adore. Pourquoi il y a Adblock? Bah ouais, c'est censé marcher, mais non. Ils ont pris les dessus, YouTube, c'est vraiment des. Oh, et on a dit une, pas deux, hein. N'y a pas eu la commande de Taz. Ah, la tristesse? Ah ouais. Attends, on va faire une pause sur la chuche. Je vais lui mettre. Pourtant, c'est parce qu'il y a deux commandes et. Ben non. Ça aurait dû le faire quand même. Ou c'est l'autre qui prend. Elles sont. Ouais, c'est ça, c'est l'autre qui a pris le dessus. Attends, je vais te la mettre. La tristesse arrive, la tristesse arrive, la tristesse arrive. Voilà, pleure, Taz. Ouais, bah, les pubs, merci. On est triste pour toi, Taz. Mais maintenant, c'est l'heure de la chouchou. D'accord? Alors, préparez-vous. Allez, tous en tenue. Allez. Je synchro. Faut que je monte le son, hein. Je vous baisse l'audio du bureau, du coup. Ouais, fais une pause. Bois-toi un café. Sors-toi à l'Atlantide, vas-y.
Sors l'Atlantide, ça va te détendre. Idée! Je crois! Standard! En avance! Ouais! Backside! Ah, mais c'est YouTube, c'est des. Ah, il faut qu'ils payent leur gros tout YouTubeur, hein! Hein, il coûte cher maintenant, hein? On croit. Standard. Il n'y a pas que YouTube, hein, il y en a plein, hein. Je suis emmerdée partout, hein. J'avais téléchargé un autre moteur de recherche, du coup. J'étais plus sous Chrome et j'avais mis Brave et j'étais tranquille quoi 2 jours. Ouais, bah ouais. La France a toujours de très bonnes idées pour les Français. Hein? Elle aime bien son peuple, la France. Tous avec moi. Suivez mes pas. Tu dois se foutre de ma gueule parce que je dis 1, 2, 3. La chasse synchro. Puis hier soir, elle est tombée sur la vidéo du kiwi, là. Je sais plus quoi, il était. Il me fait. Non, mais. Ils sont sérieux, les gens? Il a juste mangé un bout de kiwi et. Bah oui. C'est le gaspillage à la française. Ok, Taz. Facebook, c'est 13 euros par mois si tu ne veux pas de pub. Waouh. En fait, le problème, c'est pas les pubs, c'est nos infos perso. Ouais. Non, on est tous accros. Tu. Attends, faut que je mette autre chose parce qu'il est toute seule, la pauvre chanson. Attends. Hop. J'ai des années 80, attention. Oh! Sur table de pub! Au secours! Non, mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger. Voilà. Tant pis. Je vais télécharger les chansons que j'aime bien. Je vais me faire ma propre playlist sur mon PC. Et je lancerai ça en mode aléatoire. Parce que franchement, c'est plus possible, quoi. Donc la loi française dit, si tu veux garder tes infos perso, tu peux payer. Mais non, mais c'est ouf. Dors bien, une petite ange. Et le bon dodo. Sinon, tu as en gratuit, mais avec plein de pubs. Non, mais c'est ça. C'est toujours, bah voilà, les riches n'ont pas de soucis. Pourquoi ça s'est arrêté là? Ah non, c'est très long à se lancer, d'accord. Vas-y, il faut lancer la musique, madame. Il faut lancer la musique. Bah oui, il faut souffler, mais faut y aller, madame. Allez. Ah non, mais les lois françaises, ça commence à bien faire. Non, mais je te dis, ils vont bientôt nous taxer l'air qu'on respire, ça c'est. Ça va venir. Là, ça va revenir avec son café, elle va danser. Mais ils nous mettent le film en fait là. Bah ouais, je crois. Mais ça va aller, merci. Oh non! Dès que tu veux passer une chanson, t'as une pub. J'en peux plus. Non, il y en a marre. Non. Je croyais que la loi l'interdisait.
Moment de râle, pourquoi je reçois 10 appels par jour de Google démarchage? Moi, je me suis remis sur Bloctel. C'est ma banque, moi, qui me harcèle, en fait. À chaque fois que j'ai un numéro qui m'appelle. Ou sinon, c'est. J'ai un nouveau truc, c'est. Pour le photovoltaïque ou je sais pas quoi. Mais c'est même pas un gars qui t'appelle, c'est un. C'est une messagerie, c'est un ordinateur. Enfin, c'est quoi ça? Et à chaque fois que ça change de numéro, il va falloir que je signe sur Bloctel, ça aussi. Sinon, c'est ma banque. Ah. On va un rendez-vous. Mais non, mais moi, j'en veux pas. Écoutez. Sur Spotify, tu peux passer 6 chansons. Après, tu peux plus passer les musiques, sauf si tu payes. Donc, ouais, non, là, je pense que c'est ce que je vais faire ce soir. Je vais mettre les titres, je vais me les télécharger, je vais les mettre sur mon PC, et puis. Hein? Comme ça, je renouvre les titres de temps en temps, je mettrai des nouveautés, machin. Parce que sinon, on va jamais en finir. C'est bon, les pubs, là. Puis, de toute façon, ils ont fermé le truc Twitch, le truc de son qu'il y avait. Je crois que ça a fermé, cette application-là. Parce que même là-dessus, il y avait des musiques qui n'étaient pas libres de droit, donc. Là, faut payer pour tout et c'est bon, tous les abonnements qui augmentent là. Faut avoir 6 Play, faut avoir MyTF1 Max, faut avoir Paramount Plus là. Après, il n'y a pas que ça maintenant, il y a un nouveau truc. C'est quoi le truc de cinéma là? T'as Netflix, après il te faut les trucs de Canal, il te faut. Non mais. C'est ce que je fais, je mets sur le PC et je passe. Ouais. Non mais c'est ce que je vais faire, je vais. Je vais télécharger. Je le note. D'ici la semaine prochaine, je devrais pouvoir y arriver, je pense. Un petit papier brouillon. Non mais ils dégoûtent les gens. Après ils vont se plaindre qu'ils n'ont plus personne sur leur plateforme. Mais à un moment, moi YouTube, c'est bon, ça me saoule. Quand t'as trop de pubs, bah tant pis, bah tu regardes pas la vidéo que tu devais regarder parce que bah ça saoule. Tu perds du temps. Le peu de temps que t'as. Regarder la télé dont tu payes des taxes devient un. Non mais. C'est hallucinant. Faut payer pour tout. Je dis tout. Ils vont bientôt nous faire payer les. Je vois en Belgique, tu payes pour ton autoradio dans ta voiture. T'as une taxe. J'étais motivée hier. J'ai monté plusieurs vidéos à l'affilée. Bah, c'est des petites vidéos, hein, faut pas vous enflammer, c'est juste des présentations. Hein, mais bon, j'ai fait des belles miniatures et tout. Franchement, waouh. Et en plus, c'est planifié, c'est déjà tout prêt. Non, si, j'ai pas mis le lien dans la barre d'infos, si peut-être. Enfin bon, bref. Je me suis épatée. Moi qui fais toujours tout au dernier moment maintenant, vu que je sais que j'ai la fibre. Parce qu'avant, ça me prenait une semaine pour faire une vidéo. T'as 2 nuits de de temps de chargement. T'es là, ouais. Ok. Mais du coup, là on est vendredi. Ce soir, c'est les Energy Music Awards. Je suis en train de me demander. Mais bon, de toute façon, comme à chaque fois, ça va être tout nul. Parce qu'il n'y a que des Français. Les stars américaines, il n'y a personne. Puis leur pitch tout fait, là, scénarisé et tout, j'aime pas. Ça fait fake à mort.
Puis si leurs vannes, elles sont même pas drôles. C'est pas en direct, par contre. Bon, bah, ça m'étonne pas. Hein. C'est encore Nikos qui présente. Mais il me fait peur, hein, en ce moment, Nikos. Il est maigre, hein. Et du coup, Star Academy demain. Bah, je verrai. Mais je sens que les pubs, ça va me gaver. La semaine dernière, il n'y avait même pas eu 10 minutes d'émission que déjà pub, quoi. Ok. Faut le dire, hein, si c'est des programmes pour un continent, je sais pas. Là, je vais peut-être mettre du... Je sais pas ce que je vais mettre entre les pics. Ah, ceux-là, j'avais merdé, je crois, quand je les ai numérotés, les Albrecht. Il me semble. C'est les autres, je sais plus. Bref. Quoi de prévu pour ce week-end? Je dirais bien replay, mais on va être spoil. Mais oui, c'est ça, hein, c'est chiant. C'est sur quoi que je me fais spoil à chaque fois? Bah, c'est l'amour est dans le pré. À chaque fois sur Instagram, je me fais spoil. Du coup, là, je sais. Voilà. Ça me saoule. J'ai déjà plein qui sont plus ensemble, machin. Du coup, la semaine prochaine, bah, le bilan. Ah, bah, je savais. Oh, bah, je savais. Oh. Puis même, incroyable talent. Tu vois les trucs avant. Même sur Facebook, je me fais spoil. Ça me saoule. 104. Est-ce qu'on va se taper une pub? Moi, je le sens. Putain. Non, au champ. J'ai oublié ma carte fidélité aujourd'hui. C'est ça, oui. Mais bien sûr, avec plaisir. Mais bien sûr que c'est avec plaisir. Tu parles. Du moment que tu dépenses ton fric, hein, pas de soucis. Hein. C'est toujours avec plaisir, hein, qu'ils vont te le prendre. Alors là, j'ai un problème. Ah, voilà. 60. Boum, 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 boum. Nanana, nanana. Nanana. Finir le colo pour Didi, enfin, j'espère. Bah, t'as encore le temps, normalement. Me semble-t-il. Nanana, Rita. Again and ever and over again. Oh, magic. It's not the magic. Mais après celui-là, peut-être que ouais, j'irai peut-être dans. Si, sauf si je reçois mon Wolf Flower. Je sais plus comment il s'appelle. Mais sinon, ouais, pourquoi pas aller dans le season ouais, de Rita. Ouais, mais faudrait que je le finisse pour avancer les multiples. Bah oui, c'est ça, c'est. Voilà. Quand t'es multitâche, c'est compliqué. Et surtout quand t'as des périodes où t'as envie de tout faire en même temps. Moi, j'hésite, j'arrête pas d'hésiter à lancer les Sims. Je me dis non, non, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. N'y va pas, tu n'as pas le temps pour ça. T'as des colos, t'as des bouquins. Some night. Me Puis au final, les Sims, c'est bien, mais t'as pas de. T'as rien à la fin, quoi. Que là, t'as un colo, bah tu le fais, il est fait, quoi. T'as avancé, t'as fait quelque chose. Que voilà, les Sims, t'as pas vraiment l'impression que ça. Voilà.
T'as pas la satisfaction d'avoir fait quelque chose. C'est que tu culpabilises parce que t'as l'impression que t'as perdu ton temps. Tu regardes l'heure, tu dis, ah déjà? Que t'as l'impression que t'as fait quoi? T'as changé de sim, c'est. Voilà. Oh. Mais bon, là, avec le temps pourri qu'il fait, de toute façon. Me and my patois, and my body say, ah, 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 I like it, like it. Pardon. Je m'enjaille, je m'enflamme, je me croise. J'allais dire The Voice, mais non. J'ai trop de talent pour aller à The Voice quand je vois la Starac. J'y joue quand je dors pas. Ouais. Moi, ça fait un moment que j'y ai pas été. Mais là, avec l'application que tu m'as conseillée, j'ai relancé les machins, j'ai fait la mise à jour. J'ai regardé un peu l'application. Attends, calme-toi, calme-toi. J'ai pas désinstallé mes mods. Mais il faut que je fasse du tri. Je crois que j'en ai enlevé quelques-uns quand même. Parce que je voyais que c'était des vieux trucs et je voulais les enlever. Une carotte, t'es radine. Non, bah, tu peux donner plus de 10 euros, hein, vu le prix du jeu. Voilà, quoi. Il y a un moment, je comprends pas ça aussi. Le tarif. Quand tu compares avec les temps de jeu qu'il y a dessus. Wow. Puis, il y en a, c'est des. C'est des acharnés. Ils te finissent le jeu en 2-2, 4-2-2. Hein, je vois pas l'intérêt, quoi. Attends, 70 balles un jeu où tu vas faire quoi 3 soirées dessus, c'est bon quoi. Coucou Sora, comment ça va? Bon, on va venir ombrer tout ça. Ça, je sais pas comment faire là. Ça là. Je me lève, j'ai fait la grasse matinée. Ah ouais? Ouais. Ça fait du bien des fois. T'as de la chance. J'essaye de penser à quand la dernière grasse mat que j'ai faite. Mettre chargé, toi, coucou. Ouais. Ouais, 8h45, c'est rare pour moi. Lol, 8h45. Grasse mat. Ouais, chez toi? Ouais. Avril, quoi. Il te manque un petit bout de pavé entre les deux cœurs. Non, je l'ai fait, mais il se voit pas. Hein. On est d'accord. Mais ouais, je l'ai fait. Moi, je vais venir envoyer au crayon. Attention, Bella. Je t'écrase pas. Ça, c'est quand même les polis. Hein. Ça serait pas dégueulasse quand même. Hein, mais... du coup, j'ai regardé AliExpress pour mes Prisma. Alors, normalement, ils sont à 3,09. Et là, avec le 11,11, ils sont à 3,07. Mais bon, j'ai été. Ma sœur m'a dit, va voir un peu sur TXT, mais non, mais les frais de port, allô, quoi? Plus de 7 balles de frais de port? Non? Non? Je mets pas. Non? Puis en plus, c'est livré par soit DPD ou DHL, hein, voilà, les bras cassés de la livraison. Donc non, merci. Non, merci. Je vais commander sur AliExpress. Tant pis. Pas de soucis, Sourtni. Je me lève à 5h en semaine quand je pars pour le boulot. Oh là là. Moi, je pourrais plus. J'ai fait pendant des années aller faire les rayons le matin et tout. Je pourrais plus. Je pourrais plus.
Surtout pour un salaire de misère et conditions de travail merdiques. Non, je ne ferai plus. Ouais, c'est... Hop. Ah, ça y fait nuit, quoi. Ah, j'aime pas ce temps. Oh là 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 là. Allez, une petite pub. Ça mange pas de pain, hein. Et le moucheron, là, le... Cette humidité de brun. Miaou, c'est un chat qu'on entend là. Ouais, ça serait bien que je le finisse aujourd'hui, celui-là. De te dire que c'est Liam. Punaise, j'en peux plus. J'en ai marre. Mon Dieu, Green. Mon Dieu, Green. La semaine est passée super vite. Enfin, sauf mardi, mais à... mardi à jeudi. Hein, ça a été. Heureusement que mercredi, je les ai sortis à qui dit teuf, sinon je serais morte. Parce que rester à la maison sans doudou. Let's get physical! Si vous avez des pistes pour un calendrier de l'Avent, je sais pas quoi prendre. J'ai trouvé mon setup de paradis, je t'envoie photo. Faut que tu vois ça, je meurs d'amour. Non, pour moi. Pour être humain ou pour les quatre pattes? Pour être humain. Je vais faire pipi, je reviens. Ouais. Ouais, pour moi. Ils font pas des trucs art, aquarelle. Non, pâté. Non, non. Je vais faire que de pisser avec ça, t'es folle. Non, je suis pas fan. Je vais boire un peu de thé, mais je vais. Je suis pas. Non. La bière non plus. Voilà. L'année dernière, j'avais pris quoi? Non, je crois que j'en avais. J'ai pris juste chocolat l'année dernière. L'année d'avant, j'avais pris celui de chez NYX. Et je suis toujours en train d'utiliser les produits. Il hein. Y en a que j'ai pas encore commencé à utiliser. Mais non. Du coup, beauté, non. Je sais pas s'ils font ouais, aquarelle ou. Non. Soutenez. Je bois pas d'alcool, s'il vous plaît. J'en ai pas besoin, je suis assez folle comme ça. Arrêtez. L'année passée, j'avais pas vu. Attends. L'année passée, j'avais vu passer une super boîte d'art et calendrier en calendrier de l'Avent. Mais c'était cher. Bah ouais, forcément. Là, franchement, je sais pas quoi prendre. J'en ai trouvé un Princesse Disney à action pour Jade. Elle va être ravie. Et je regarde sur Etsy. Ça doit bien exister quand même des calendriers de l'Avent aquarelle ou je sais pas. Ou je ne sais quoi. Quand même. Heartstopper? Ouais. Mac. Mac. Attends. Livre de coloriage.
Est-ce que ça veut? Oui. Vingt-cinq magnifiques motifs de Noël à colorier du 1er décembre à la veille. Ouais, non. Les illustrations, c'est pas ma cam. Sinon, je vais m'en faire un moi-même. Mais il faut que je laisse des petits colos. Bah, des petits Chris Rignac ou des trucs comme ça. Je sais pas. Est-ce que je vais réussir à m'imposer ça en colo hein? Je vais regarder sur Etsy. Le moucheron là, c'est bon, hein? J'ai eu deux bébés aujourd'hui. Deux. Et toi? Normalement, samedi, Liam, il avait foot. Je me dis qu'il serait pas là. Et t'as eu le temps de foutre. Sur le synthétique en plus. Oh là là. Ouais. Waouh. C'est beau. Mais ouais, c'est sympa là, les deux écrans l'un sur l'autre, là, comme ça. C'est pas mal. Ouais, on a vachement de budget pour ça. C'est sûr. Triste la vie, hein. Tout est question de pognon. Mais il n'y a pas grand-chose sinon, en dehors des trucs classiques, c'est dommage. Sinon, c'est l'occasion de faire un swap avec 24-25 paquets ou 26 pour moi et Taz et calendrier de l'Avent topissime. Ouais, mais pareil, on va exploser le budget. Mais il faudrait qu'on y pense, ouais, pour l'année prochaine ou quoi. Comme ça, on a toute l'année pour. J'avais fait une année avec Sorette. Bah, les vidéos sont encore sur la chaîne YouTube. Mais voilà. Comment te dire qu'on était complètement hors budget? Arteza en fait un, je pense. Ah ouais? Je mettrai plus du gris pour les autres. Allez! Ouais, comme ça on prépare des petits trucs tout au cours de l'année. Mais après, on a tellement de trucs déjà, c'est. Tu sais, des petites conneries ou. Touch my body. On va faire quand même des effets. Voilà. C'est des cailloux quand même. Hein. C'est pas parfait un caillou. Hein. D'accord. Taz, on lui prépare les nuanciers. J'avais fait ça à Amélie et Aurore il y a 2 ans. Ouais, ma frangine, on s'était fait plein de. Bah, c'était plus basé sur les livres. Mais c'était acheter plein de goodies à côté et tout. Il y avait tellement que. C'est en combien? 3-4 vidéos, je crois. L'horreur. On n'arrêtait pas d'ouvrir, 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 d'ouvrir. Ça me fait penser, j'ai toujours pas lu le Harry Potter qu'elle m'a offert. Et il y a plein de livres qu'elle m'a offert que je ne les ai pas lus encore. Bah, elle, c'est pareil. C'est encore une super pub, ça. C'est une pub, rassurez-moi. Ouais. On ne sait pas pourquoi. On ne saura pas. Ah non, celle-là, je vais partir en couille si je chante ça. Hey, Little Mix. Je sais, j'ai regardé. Je te demanderai pas, Mélo. Elles avaient un gros carton chacune et dedans un truc. Un par un emballé, ouais, c'était ça. Avec Sorette, c'est comme ça qu'on avait fait. Je lui avais fait offert des chaussons licorne, je me souviens.
Ouais, faire un Santa, un Secret Santa, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois. Chacune, on tire le nom d'une l'une de nous et puis on s'occupe d'elle et puis vice-versa, l'autre elle tire le nom de quelqu'un d'autre et du coup elle fait son cadeau de Noël ou machin. C'est jouable. Un Secret Santa. Ouais, je sais, je chante bien. Oh. Je suis complètement décomplexée de la chanson depuis que j'ai vu la Starac samedi dernier. Voilà. Complètement. Moi, je vais exclure. Ah, t'habites loin, toi, aussi. Les frais de port au Canada, Canada Dry, là. Parce que t'as pas Mondial Relay, t'y. Y a pas moyen de frauder. Y a pas un site. Le Canada pas cher. Com. Mondial quoi? Mondial relais. C'est écrit mondial, hein. Non, vous avez déjà pas Vinted, vous? Puis j'ai pas de pigeon voyageur. C'est quand même abusé, hein. Si mes vêtements est très peu utilisé. Ok. Recassie. Mondial Relais, il y en a dans les pays voisins. J'ai déjà acheté à une Italienne. Bah oui, moi aussi j'ai vendu ma boîte de Prismacolor vide à une Italienne. Ah oui, les wishlists Amazon, oui, c'est vrai que ça peut être une idée pour Sora. Ouais, si on commande sur Amazon Canada, c'est ton adresse. Normalement, ça devrait. Voilà. Ouais, mais t'imagines, la personne va commander 24 sur 25 trucs sur Amazon. Donc, si on est prêt à tout. Et on est des zinzins, hein. T'oublies. Look, he smile. Donc t'as compris, hein, Sora, Mélo, elle veut pas. Voilà. Elle veut pas t'envoyer, elle veut pas. Voilà. Oh. Oh. Donc, attention. Surtout, prévois de rester chez toi pour récupérer toutes les commandes. Ouais. Ça dépend, Secret Santa, c'est pas un. Ouais. Oui, Secret Santa, c'est juste un cadeau pour Noël. Ah. On peut faire un Secret Santa entre nous. Et pour le swap, pour celles qui ont une chaîne ou. Tu vois. Toi, moi, ta Zenat, par exemple. Les autres n'ont pas de chaîne. Twitch ou YouTube. Non, en semaine, tu fais envoyer à l'adresse du boulot. Ouais. Bah, elle veut la calendrier de l'avant, pas Secret Santa. Ouais, bah, faut savoir, hein. C'est pour l'année prochaine, hein, on a le temps d'en discutailler, hein.
Parce que là, on s'y est pris trop tard. Déjà. Obvious. It clear. Obvious. On est d'accord que c'est lequel dans la Starac, comment il s'appelle? Le dernier qui est rentré, là, le beau gosse, entre guillemets, Julien, c'est Marshmallow qu'il a sur le en tatouage. Enfin, je sais pas, oui, je pense à Marshmallow parce que c'est Marshmallow. Ouais, je suis une rebelle, lol. Au boulot, on avait 5 euros max. Oh, bah, tu fais quoi avec 5 euros? Pour les gens qui viennent d'arriver, tu peux expliquer. On a commencé à se dire qu'on pourrait faire un swap entre filles ou un Secret Santa. Oui, tu regardes pas la télé, toi. T'as même pas regardé ton frère à la télé. Non. À la base, c'est moi qui cherchais l'idée pour avoir un calendrier de l'Avent, mais voilà. F-A-E-N-D-S. Boyfriends. F-A-E-N-D-S. Tu vas pas garder que les bonnes idées pour toi, donc bah non. Petit passage rapido, prolongation 16h30 chez Akiki. Au cas où, ouais, bah du coup, j'irai chez lui. Bah, lui dis pas. Mais j'irai chez lui. Ici, la Starac s'est mourue depuis belle lurette. Il n'y a que The Voice qui fonctionne encore un peu. Ouais, bah The Voice, nous, c'est plus trop ce que c'était, mais ils essayent de relancer à chaque fois, ils arrivent pas à. Voilà. Ils sont sans tête à continuer un truc qui fonctionne pas. Ouais. Ils sont en manque d'inspiration, les nôtres. Mais oui, ils vont refaire un The Voice, mais encore différent. Hein. Avec des anciens. Tu veux pas finir une heure plus tard aujourd'hui? Non, j'ai mes enfants. À récupérer. Voilà. Du coup, tu me fais penser que j'ai pas avancé mon Pokéfil. J'ai fait Pokémon, mais j'ai pas fait la page. J'ai fait Pokémon. J'ai fait Pikachu, mais pas la page d'après. Miss Framboise, coucou. Ça arrange avec le monsieur des vues de toute façon. Ceux qui gagnent, c'est les pires. La dida, la dida, la dida, la dida. Pas d'excuses, les combos sont lignes. Ouais. T'as bien travaillé. Mmh.
Sort pas pareil. En vrai que. J'ai pas de prisma, c'est une excuse. La dida, la dida, my heart goes. La dida, dida, la dida, dida, la dida. Du coup, ce matin, je suis allée à Auchan. Le rayon coloriage pour adultes, bah, il n'y a plus rien. Quasiment plus rien. C'est tout en hauteur, donc autant vous dire que moi, avec mon petit mètre 50, et bah voilà. Franchement, je. Désespérance. Voilà. Ah oui, il n'y a pas de taille enfant sur le champ. Oh, non, mais. Faut faire 2 mètres pour un. En plus, ils mettent ça en haut d'un rayon et en dessous, ils te mettent un box. De manga. Enfin. C'est des gars qui tiennent le rayon, tu le vois tout de suite. T'as qu'à monter dans le caddie. Oh bah attends, tu me verrais déjà pour le vider le caddie, c'est limite si je tombe pas dedans. C'était. Voilà. C'est déjà risible, hein. Le monde n'est pas fait pour les petits, là. Franchement. Tu sais pas ce que c'est, toi? Avec tes jambes de gazelle, là. Non, de girafe. La gazelle, c'est pas si grand que ça. Ah non. Ah, le caddie, je te dis, je plonge dedans pour récupérer mes affaires et c'est limite si je me casse pas la gueule dedans. Franchement, je me suis fait peur ce matin. Hein. La nana était derrière, si elle me surveillait parce que c'est les caisses où tu passes avec ton caddie là et que c'est toi qui bip là. Du coup, elle me surveillait et il y a un moment, je la regarde. Elle me regardait pas, mais moi j'étais limite en train de me casser la gueule. Adopte-moi, je te chope les livres en course, ouais. Je suis désolée, mais tout ce qui est pas cher, c'est tout en bas. Donc au moins, tu fais des économies sans te casser le dos. Ouais, mais tout ce qui est pas cher, généralement, c'est pas très bon. Ah, la marque Eco, là, Eco Plus ou je ne sais quoi, là, c'est ça qui est tout en bas, là. Non. Et c'est pas bon de se baisser non plus. Je peux pas avec mon tassement de vertèbres. Donc moi je suis de taille moyenne, c'est pas forcément le moins cher. Taille moyenne, non, je suis petite. Je suis petite. Je suis pas au niveau du sol. C'est pas de ma faute. Vous avez vu, hein, j'ai pas touché, hein. La chuche synchro. On est tous synchro. Débat. La chuche synchro. Chuche. La chuche. La chuche. On est tous synchro. La chuche. La chuche. La chuche. Ouh, 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 ouh.
Idée, je crois. Standard. Backside. Une canne à pêche. Que se passe-t-il? Que se trame-t-il en off là? On est tous à cran. La chuche. On croit. Stand. Quand je vais dire à Doudou que j'ai eu deux bébés aujourd'hui, il va pas me croire. Me dire pas encore. T'as pris tes cachets aujourd'hui, il va me dire. Ouais. On est toute sacro. Oh, vous êtes chaud. Tous avec moi, suivez mes pas. Essuie-glace, 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 c'est qui? La chuche synchro. Mais sûr, je vais encore saouler mes gosses avec ça ce soir. Vais leur dire Shake your body pour le lavage dedans. Shake your body. La chuche, la chuche, la chuche. Statue. Allez, la petite pub. Allez, c'est gratuit. C'est honteux. Qu'est-ce qui se passe? Va falloir que j'aille m'habiller, j'ai rendez-vous donc après. Ah. Achetez un jus de bière à vos enfants, vous aurez 10 euros pour votre cadeau. Arrête, ce matin, du coup, j'ai pris quoi? Il y a des Playmobil Dino Rise à Action. J'ai regardé là sur Amazon le pack que j'ai pris. Il y a plus de 79 balles. Et en plus avec 30% sur Amazon, je l'ai eu à 39 balles à Action. Je lui en ai pris 3 packs Playmobil. Par contre, je vais juste lui en donner un là pour son anniversaire. Et les deux autres, ça sera pour Noël, je pense. Open my eyes. Je lui ai pris quoi d'autre? Je lui ai pris les petits dinosaures à monter là, version mécano, pour continuer la collection. La différence entre guerre et bière. Je lui ai pris les autres trucs là qu'il aime bien là. Un mode dino, mais c'est quoi? X, Trésor X, Trésor X Dino. Puis il veut des Robux. Bah, c'est son père qui lui prendra des Robux pour Roblox.
Mais j'ai pris deux trucs. Trésorix et des figurines Minecraft. Ouais, puis on aura déjà tout. Là, on aura trop de trucs. J'ai pris les petits gadgets là pour mettre dans les sacs pour les inviter à l'anniversaire là. 8 gosses. Il a invité 2 filles. J'ai pas encore eu de réponse, hein. J'espère que. Aujourd'hui, j'ai Primark qui est arrivé chez moi à Nantes, un monde de fou. Oh non, Primark! J'aimerais tellement qu'il y en ait un mien. Je peux pas aller jusqu'à Lille. Bonjour les hommes. Bienvenue à Ténian. C'est comme ça que ça se dit? Oui, j'ai osé. Oui, c'est que pour le Disney. Mais franchement, j'aimerais trop pouvoir y retourner. J'ai découvert Primark à Strasbourg chez Taz. Voilà quoi. Je pourrais y passer ma vie dans ces magasins. J'ai déjà envie de prendre tous les pyjamas, tous les t-shirts, tout. Bienvenue à toi. J'espère que l'alerte ne t'a pas fait peur. Mais ça donne le ton directement. Hein? Voilà. Est-ce que tu colos toi-même? Oui, je pense. Avec le pseudo. Tu vois le niveau de la dame? Voilà. Bienvenue. Je crois que tu n'es pas prête. Pour la guéguerre qui se passe quand tu es dans un Primark. Oui, non, mais il faut pas y aller à l'ouverture, je le sais. J'irai pas à l'ouverture, j'attendrai un petit peu que ça se tasse. Ça fait longtemps que tu fais du colo? Moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de boire. Si c'est la question que tu te poses, c'est très longtemps. Heureusement, hein, parce que. Ouhou. Non, non. J'ai rien mis dans mon café, je vous promets. J'ai juste mis du caramel. Ouais. Mais grave, j'ai vu la vidéo, les gens, c'est des ouf. Ah non, moi, j'irai pas à l'ouverture, c'est sûr. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais à Strasbourg, ça va, c'était calme, hein. Ça fait combien de temps qu'il est ouvert le tien, Taz, à Strasbourg? Tu dois faire un bail. Je me revois avec mon panier qui débordait derrière moi, là, à pied à la caisse. Oh là là, le bordel. C'est ce que j'ai cru comprendre. Arrêtez! Ça fait 4 ans. Mais beaucoup plus régulièrement cette année. Elle a rien mis dans son café, c'est déjà un excitant à elle toute seule. Tu peux nous mettre ton Insta si tu en as. Ouais. Moi, c'était bien avant Covid qu'il était ouvert. Et c'est toujours la guéguerre à l'ouverture au magasin jusqu'à la fermeture. Il y a de temps en temps une petite tranche horaire. À partir du moment où les mères de famille doivent récupérer les enfants. Ah! Mais ouais, non, franchement, pour habiller tes gosses et tout, j'en avais ramené pour toute la famille, hein. J'ai galéré. En plus, j'avais pris le sac, là, le sac tout fin, là. Il était tellement lourd que je le traînais par terre parce que j'avais ça plus d'autres sacs. Il s'est complètement ouvert en dessous. C'était l'horreur quand je suis descendue du train. Il y en avait partout. Je m'en souviendrai toujours de ce sac Primark. J'ai même pas pu avoir le souvenir de le ramener à la maison, tu vois. Il était déjà dead avant de rentrer. Ah, c'est biodégradable, hein, c'est sûr. Hein. Il était plus grand qu'elle, le sac. Il y en a qui étaient avec des bébés carrément.
Non, mais il y en a où elles y vont en poussette, peur de rien. Hein. Mais pourtant, en plus, celui de Strasbourg, en plus, il est sur plusieurs étages, c'est chaud. Oui, ces jours-là. Oui, Cassie. Hein? You know what I mean? Tu te souviens? L'horreur dans le métro avec mon sac. Cinq étages, non mais. Cinq étages. Ouais, bien encore, on n'a pas été voir les trucs home et tout. Hein. Mais je pourrais claquer mon slip là-bas. Mais j'aimerais bien, ouais, qu'il y en ait un bien. Pour tout ce qui est pyjama et tout. Like a girl, just close an eye. Like a bitch. J'ai porté des parpaings qui étaient moins lourds que son. La poussette, ça fait tant qu'Acadie. Ouais, surtout Caddy, ouais. Ah ouais, non, mon sac, c'était. Le pauvre petit. Mon pauvre fils qui essayait de suivre. C'est la première fois qu'il allait. Oh là là, qu'il prenait le train et tout, puis qu'il allait. Oh mon Dieu. You really want to stay Mais heureusement que t'étais là, hein, Cassie. J'y serais encore, sinon. Heureusement, j'ai pas eu à faire la queue avec ma carte. J'ai craqué sur chemise de nuit Tic Tac et Winnie avec tes chaussettes. Oh, arrête, je te déteste. Arrêtez! Arrêtez! Il y a déjà Taz là, dès que tu la vois là avec son pyjama Winnie là, elle le fait exprès. Je m'étais pris quoi comme pyjama? Je me suis pris un mini. Je m'étais pris un ensemble sur vêtements. Mais un hoodie, c'est comme ça s'appelle, les pyjamas, les grands t-shirts là. J'aurais dû m'en prendre tellement plus. Oh là là, dès qu'il est sorti, dès qu'il est sec sur le séchage, je le remets. Moi, j'avais fait le plein l'an dernier. Ouais. You? Ah, ça veut pas. Attends, je vais essayer de voir. Copier. Non! Il veut pas. Ah! Oh Un calendrier de l'avant, oui. Un pyjama chaque jour. Ah, putain, je serais trop contente. Un t-shirt ou. Oh là là. Nom de Dieu. Tu peux pas le mettre? Attends. Taz, elle va peut-être aller le chercher puis le remettre. Merci, Tazounette. You change your mind like a girl. Ah, ça y est. Un petit follow. Tu fais du Disney, du hors Disney, du Coco Wayo. Chibi, c'est Jet Summer, ça, je crois. The Break Up. Du Kirby. Merci. Fais une carte prépayée à Taz et puis elle fait. Attends. Elle fait les courses pour toi et quand tu débarques chez elle, tu arrives avec une valise bien grande pour repartir avec. Ouais. Je sais pas si je vais pouvoir remonter. Remonter? Non, c'est pas monter. J'ai pas encore grand-chose, ça fait pas longtemps que je suis sur Instagram. T'inquiète. Moi, ça fait un moment, mais j'ai du mal à poster. Entre Twitch, YouTube et la flemme. Compliqué. Non, moi, je suis pas. Il y a des moments où je vais poster. Je vais avoir des. Voilà. Je vais poster. Et puis il y a des moments où je vais. Voilà. Mais j'ai tellement de retard dans mon post colo. Mais bon, je me dis, vous les voyez dans les colos terminés, donc.
Kirby Rosanne, oui. Ah, qu'il revienne vite. Qu'il nous fasse un truc. Je sais pas. Tu voudrais qu'il fasse quoi comme prochain bouquin, Cassie? Quel thème? Je me suis lancée il y a peu dans les Kirby. Il me fait... Bah. On a tous cet a priori avec Kirby. Mais moi, c'est un des premiers illustrateurs que j'ai mis en couleur. Et finalement, une fois que tu y es dedans, tu trouves ça facile. Puis là, j'ai craqué sur quatre bouquins. Vas-y, raconte. Vas-y. Confesse-toi. T'iras mieux après. Ça fait du bien des fois de craquer. Ça fait du bien de se faire plaisir. Pas de mal à se faire plaisir. Nous, on aime quand les gens craquent. C'est ça. On aime. C'est comme si on craquait nous-mêmes. Bon, ça, peut-être remettre un peu des effets. Je sais pas. Je réfléchis, mais je ne vois pas ce que je pourrais lui demander. Il est toujours là à me surprendre. La seule chose qu'il n'a pas encore fait, c'est du manga. Mais comme c'est un grand fan de One Piece et moi pas du tout, ce serait un désaccord. Ah ouais. Je sais pas. Bah. J'étais assez dubitative pour le dernier, hein, le Aucun fin du cosmos, voilà. Et déjà celui d'avant, surtout celui d'avant. Le... Comment il s'appelle? Je l'ai pas sous les yeux. Merde, j'ai un trou. Il est très dark et tout, et je me sentais pas de le colo, et finalement, bah, j'ai quand même... Ouais, il mettait légende, voilà, merci. Il me faisait peur celui-là, je me voyais pas colo dedans et finalement bah je le trouvais très très sombre. Mais moi j'aime bien surtout le Mythomorphia, c'est vraiment et moi les doodles ça me dérange pas plus que ça. J'aimerais bien qu'ils reviennent, pas avec peut-être pas avec autant de doodles, mais qu'ils nous mettent des nuages. Les nuages de Kirby, on aime. J'ai commencé dans le Kaleidomorphia pour le défi des quatre maisons d'Elise Colo et puis voilà une drogue. Dur d'un coup. Voilà. Les quatre maisons d'Elise, je l'avais pas fait l'année dernière, je l'avais fait l'année d'avant, je crois. Puis cette année, j'ai même pas essayé parce que les défis, les challenges, voilà. Je préfère vraiment colo ce que j'ai envie de colo au moment où j'ai envie de colo. Si le colo rentre pour tel ou tel défi, c'est cool. Si pas, tant pis. Mythomorphia, c'est juste. C'était le juste milieu avec ses doodles et en même temps avec le côté fantasy. Peut-être un thème Moyen-Âge, je sais pas. Je sais pas ce qu'il va nous prendre. Déjà la frise, est-ce qu'on va la voir un jour, la frise? La frise. Attention, je vais tailler mon crayon. Et tu utilises quoi comme matériel, Athénian?
Bah moi, je m'en fous de toute manière, je vais l'imprimer, la frise, si jamais il n'arrive pas à la sortir. Ah, mais j'ai fait des colos qui me faisaient plaisir et c'est la première fois que j'y participe. Mais très bonne expérience, ouais. Je m'habille, je reviens du. Ouais. Parce que les challenges et défis colos, c'est pas ce qui manque, hein. C'est, il y en a foison, hein. Il n'y en a que deux que j'arrive à. Deux, trois que j'arrive à faire. Quatre. Mais bon, il y a quand même des défis. Tu vois, le défi de Gaël, c'est sur 2 mois. Enfin, t'as le temps, quoi. T'as le temps de voir venir. Didi aussi. Pokéfil, on est tout en retard. Donc. Oh, on a un chat qui s'approche. Tu fais pas tes griffes parce que tu sais ce qui va t'arriver si tu fais tes griffes. On est d'accord? Ouais. T'étais pas bien sur ton arbre, sur le lit? Ah oui, si, t'étais sur le lit. Pourtant, toute la matinée, t'es sur l'arbre à chat. Vu que je rachète des croquettes à madame encore. Du coup, il n'y a que le mercredi. Putain, je vais tout faire tomber, ça va être magnifique. Le défi de Taz. Taz et ses mignons que j'ai. Je suis vraiment à jour. Ça fait plaisir. Mais du coup, il ouais, faut faire celui-ci. Là, je suis déjà dans un Disney, donc après, je pense que je vais faire un Rita ou je sais pas quoi. Et je ferai celui-là après. Après, non, je vais faire le Pokéfil, je pense. Qu'est-ce que je l'ai mis? Je pense que je vais faire le Pokéfil après. Le Pokéfil de Mélo. Ça avance aussi, c'est cool. Pourquoi? Vu qu'il y a les combos de dispo en plus. Non, j'ai pas fait grincheux. Pas encore. J'ai le mois pour le faire. Donc ouais, je pense que je vais faire ça après ce colo-là. Et après, je ferai grincheux. Hein? Hein, grincheuse? Hein? C'est vrai. Tu vas où? Oh là, tu glisses. J'utilise pas mal des dupes de Gelatos ces derniers temps. J'apprends à les apprivoiser. Ouais, les trucs sur 2 mois, c'est cool. Sexy, non? Sexy cat. Elle va me défoncer. Du coup, les dupes des gelatos, c'est ceux-là, là. Soir, tu gênes. Tu gênes. Les Inden Meatheart, les 36 vaches Reden. Mais là, tu. Mais là. Eh, madame. 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 Eh. En plus, t'es juste devant le micro, là. Tu veux dire quelque chose? Miaou? Allez, s'il te plaît. Oui, j'ai dit s'il te plaît. Allez, bouge. S'il te plaît. Mets pas tes poils sur le micro. Ouais. Allez, Bella, bouge. Attention, vous êtes prêts? Je signe mon arrêt de mort là. Gueule. Non, bah de toute façon, là, j'ai sur les oreilles, elle n'entend pas. Hein? Hein? Et le chat, tu bouges? Mais c'est fou! Même pas, c'est des crayons que j'ai eu chez nos. Ah ouais? C'est des trucs pour gosses, mais qui ont un rendu pas mal. Ah ouais? Du coup, tu les utilises comment? Tu les. Attends, s'il te plaît, merci. Tu les mets directement sur le papier et t'aquarelles ou. Parce que ceux-là, là, je les utilise aquarellés, je les mets sur ma planche action, là,
C'est une planche à découper action. Je les mets dessus, j'aquarelle et puis je dépose mon piment. Oh, les poils. Tati patata. Mon gars. Linguini parari. Merci pour cette interlude disco. T'as vu? Oh là là. Ouais, elle va se venger. Elle va se venger. Elle va me choper, tu vois. Elle attend son heure. En aquarelle, j'aime pas trop le rendu. Mais faudrait que j'essaye sans mettre directement sur le papier. Ouais. Je te dis, ouais, une planche un peu rugueuse. Tu mets ton pigment dessus, tu viens chercher avec ton pinceau un réservoir d'eau et ça marche super bien. Enfin, je sais que celle-ci là, avec ça, ça marche super bien. Ça, les nouveaux colors, top. Pour faire les fonds. D'ailleurs, il n'y en a pas un dans celui-là que j'ai fait avec les fonds nos colors ou celui-là. Mais bon, le papier, celui-là, il est pas ouf. C'est du papier. Mais là c'est du pan pastel, le fameux. On voit la ligne là. Papier de caca prout. Je les utilise surtout en fondu avec un coton-tige. White spirit sans odeur ou essence sans odeur si tu veux bien que ça détache les pigments. Bon, on va dire que c'est bon là pour les effets pierre, machin. Hein. Eh, mais ça, ouais, ça, je sais pas là. Encore de l'herbe là. Je les ai rangés, non? Oh oui, j'ai rangé, c'était du aquarellable. Aïe. Pardon, petit Pokémon. Bah c'est l'arche en pierre, ça, non? Bah elles sont cheloues les pierres hein, quand même. Hein. Surtout que là, il y en a un trait dans l'oreille. Achetiros. Oui, je sais, Mélo. Je sais. Même plus besoin de parler. Mais oui, essence sans odeur, surtout avec les crayons de couleur. Pour les autres, ils sont suffisamment gras pour que je n'en ai pas besoin. Ok. Du coup, le wildflower, j'espère que je vais avoir une bonne version. Aussi, parce que c'est pas toujours très clair quand tu. J'espère que ça sera bon. Oh là! Du coup, ça je fais en. Peut-être faire en néocolor 2. Ils sont où? Là! T'as toujours pas pris de cours, hein? Eh, tu t'entraînes, mais on voit pas les. On voit pas les améliorations, hein. Franchement, tu travailles un peu plus longtemps, plus. T'imagines, tu te mettrais à la flûte, ça ferait bien chez tes voisins. Je mettrais le Anna Carlson sur lequel je suis pour le rendu. Je fais le fond avec. T'es dans lequel d'Anna Carlson? Oui, Taz, tu vois. Les gens aiment Anna Carlson. Et ouais. Et ouais. T'as coupé la commande? Peut-être.
Non. Non, je n'ai pas coupé la commande. Magical Dawn. Ah, les anciens, je les ai pas. J'ai les Fairy Tail. Vas-y, vas-y. Vas-y, t'es pas contente? Oui, t'as entendu Calzone, ouais. C'était laquelle? C'était l'Harry Potter. Moi aussi, elle m'a semblé courte, c'est bizarre. Mais j'ai rien touché. J'ai juste baissé les points. Attends, je la trouve même pas. Oui, bah ça va aller. C'est pas la peine de te mettre dans tout cet état. Non, c'est que t'as vraiment du mal. Et t'es plus long que ça? Je sais pas, je sais plus. Voldemort. Oui, Voldemort, l'essence sans odeur, voilà. C'est la famille, quoi. Je m'y ferai pas à celui-ci, je crois. Il est vraiment atomique, hein. Midnight, midnight, for the ride. Midnight. Néocolore 2. Faudrait que je m'en rachète aussi de ça. Ah, mais je vais préférer me recommander des Prisma en backup, je pense. Ça, c'est le haut de son oreille, hein. On est d'accord, j'ai oublié de faire le haut de son oreille, hein. Ça m'aurait étonné que j'ai pas oublié quelque chose. Ça partait dans les aigus avant. Bah écoute, je sais pas. J'irai en télécharger une autre si jamais celle-ci est défectueuse. Écoute. I want your baby. Oh, ah! C'est transparent ce truc. Il y a un pavé derrière là. Non, c'est juste que voilà, l'illustrateur a encore fait nappe. Ah non, c'est des petits traits. J'ai du mal avec les illustrateurs à Hachette Rose, hein, je suis désolée, mais voilà. Hein. Il y a des moments où leur travail, il est. Voilà. Il n'est ni fait ni à faire. Voilà. Je suis désolée. Faut dire ce qui est. Moi, je suis désolée, Mélo. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas rester sans rien dire. Moi, ça me rend ouf. Ophélie. 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 Qui est cette Ophélie? Ophélie, on va se détendre au niveau des. On va se calmer au niveau des émeutes, tout ça, hein? On va dire bonjour. Voilà, on va se détendre. Sinon, il va se passer ce qui se passera. Voilà. Bonsoir Ophélie. Voilà, tu peux. Voilà, merci. On est gentil? On sait se parler? Voilà. Va réfléchir. Je l'aime bien celle-ci. Me disais, c'est bizarre. Ophélie, Ophélie, Ophélie. C'est qui? Ouais. Je sens que Doudou va bientôt me poser la question. Tu veux quoi pour Noël? Qu'est-ce que je vais lui dire? C'est qui Simone? C'est le petit dragon là. Non, là. J'ai pas bu, hein, je vous jure. Le petit dragon là. Voilà, c'est Simone. Alors Simone est très gentille, mais elle bouffe. Le truc moche avec la varicelle, oui. C'est la période de la varicelle. Voilà. Ça passe. Ça passera.
Et ça pourra revenir. Hein. On n'est pas à l'abri. Hein. Au début du live, elle était jeune, me semble-t-il. Je ne m'abuse. Question pastel gras. Les Paul Rubens iridescents, c'est normal qu'ils collent? Je les ai. Attends. Oh, il va être l'heure. J'ai pas envie d'y aller. Ils sont... On voit que je les sors sous moi. Hein. On voit que je les rentabilise. Tes bâtons, ils collent? Tes bâtons collent? Oh, ouais, c'est un petit... Un chouïa. Ouais. C'est... comment on appelle ça? Ouais, un peu, ouais. Ouais. Ouais, amuse-toi, souris. Elle mord pas, mais si tu te bats, tu risques de perdre la couronne. Si t'es aussi doué que moi, tu la perdras. Mais ouais, c'est vrai, elle pèque un petit peu, ouais. J'ai toujours pas trouvé comment les utiliser pour pas perdre trop l'iridescence, justement. Et je les avais eu pas cher sur... Sur Ali, j'avais acheté celle-ci plus les basiques. Mais je m'en sers quasiment pas. Ah, ça reste dans le placard, comme tu peux voir. Ça pèque. Ouais, ça pèque. Tu vois, t'as les doigts qui... Ça pèque. Voilà. Je sais plus d'où je tiens ça, si c'est du côté belge ou si c'est du... Enfin, du côté... je suis pas belge, hein. Mais je sais pas si c'est un restant de Belgique. Ou si ça vient de la Picardie ou si ça vient de la Franche-Comté. Je ne sais pas. Mais ça pèque. C'est une expression que j'utilise. Je ne sais plus depuis quand. C'est peut-être Picard, ça. Elle est gourmande en bidoche, t'avais sûr. Ouais. Celle de Mélo, elle est végétarienne. Non, elle n'est pas végétarienne, justement. Donc, dès que tu lui donnes de la végétation... C'est pique citron, c'est ça. Dès que tu lui donnes quelque chose qui soit pas viande, elle aime pas. Elle est limite malade. N'empêche que moi, ça ne fait jamais le fait de qu'elle se transforme en zombie, là. Je suis en train de penser, Mélo. On l'a jamais vu faire ça, la mienne. Faut que j'aille à l'école, j'ai pas envie. Peck, ça me fait penser au Peck dans le film Willow. C'est quoi ça? Willow, c'est le vieux film là avec le nain là, non? C'est normal, Mélo est un côté obscur. Parce qu'elle mange plus souvent, bah je sais pas. Mais même il y a des moments où elle a pas à manger et. Je sais pas. Il appelle les nains Peck. Ah ouais? J'ai pas envie d'aller à l'école. Il pleut encore? Un peu. Et du coup, ce matin, j'ai rien fait. J'ai pas fait ma vaisselle, rien du tout. J'ai tout qui m'attend, là. Je suis tellement contente. Hop, qu'est-ce que ça dit? Oh, le fond, là, il est vraiment moche. Hein. Laisse-la à l'école. Non, mais il y a Jade à récupérer en premier. Elle, je la récupère à 16h20. Et Liam à 16h30. Et c'est pas au même endroit. Donc, c'est n'importe quoi. Faut que tu courses... Tu te dépêches pour aller à l'autre école, mais c'est souvent que les flics sont là.
Et t'as plus de place sur le parking, t'as pas le droit de te mettre sur l'herbe, t'as pas le droit de te mettre en double file sur le parking de l'école, enfin bref, c'est la merde, et ils t'alignent. Ça, y a pas de souci. Donc, c'est génial. Je vais vous envoyer quelque part parce que voilà, je vais faire un petit raid. Je sais plus comment il s'appelle, mais Akira, voilà, chez Akira Fun. Il fait un live participatif aujourd'hui pour le harcèlement scolaire. Donc voilà, je vous envoie chez lui. Je sais pas ce qu'il fait actuellement. Ça change. Ça fait depuis un moment qu'il est en live et ça change régulièrement là. Mais bon, voilà, pour participer, je vous envoie chez lui. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine, mardi, 14h. Voilà. Où on fera autre chose que Scolo. Je pense que celui-là, je vais le finir ce week-end. Là, ça fait déjà 3 jours que je suis dessus et c'est long pour moi. C'est long pour moi. Donc, voilà, je vais mettre les bouchées doubles. Et je sais pas. Peut-être qu'on fera de l'Atlantide. Peut-être. On ne sait pas. Tout est possible. Ah, c'est bon ça, d'avoir des grands-enfants. Ouais. Le mien, enfin le premier va avoir 7 ans jeudi. Et la deuxième a 3 ans. Donc j'ai encore du temps. Des bisous tout le monde. Bon week-end. Et restez pour le raid.